Coucou YouTube, on se retrouve pour Final Fantasy VII Rebirth et on va continuer là, on s'est arrêté. Hein. On est à l'épisode, alors putain, je dis pas de bêtises, on est 17, 18, non, pardon, 20. On est à l'épisode 20. Oui, ça va vite, ça va très vite. Alors, comme vous avez pu voir, hein, j'upload plusieurs épisodes par jour. Je vais pas attendre les faire un par un, enfin voilà, comme ça vous avez tout le contenu. Voilà, je sais que c'est pas bien. Mais c'est pas grave, voilà. Comme ça, c'est fait. Ouais, là, donc la dernière séquence qu'on avait vue avec les armes et Tifa, c'était une dinguerie. Je n'arrive pas à percuter encore, en fait. Je digère les informations. Et alors, du coup, je suis allé voir dans la version originale, me rappeler un petit peu les trucs, mais c'est assez vague, c'est trop vague. Coucou Maya, allez. On est parti. On est parti. Donc je me suis arrêté à Gongaga. On va sortir. Et on va se diriger vers... on va se mettre au banc là. Je suis sur le cul. Hein. Vraiment. Ah mais les musiques elles sont trouvées. Apparemment il y a eu un... Alors je sais pas si c'est un plagiat ou si c'est un sample que MC Solar avait utilisé à l'époque. Mais il y a une musique dans Gongaga je crois. Qui réutilise un peu ce sample là. Que MC Solar avait utilisé. Je sais pas où je vais là. Ouais donc il avait utilisé ce sample. Assez marrant. Il avait été en erreur 404 à ce moment-là aussi, mais ouais. Je crois. Je vais où, les gars? Désolé, je suis complètement encore secoué par. Par l'histoire qui se met doucement en place. C'est vrai que le jeu met du temps à démarrer. Ça met vraiment du temps à démarrer. On a eu beaucoup de moments lol, un peu. Voilà. C'est le passage de la musique là, c'est la musique là. Ça marche, Mark. Il y a encore Cosmo Canyon et tout là. Alors, c'est ça l'aérodrome? Eh ben, il y a plein de trous. En vrai, gruyère. Vous imaginez un avion décoller ou atterrir sur cette piste? Ah non alors! Me dites pas qu'on est venu jusqu'ici pour rien! Regardez! C'est quoi là-bas? Une cabine téléphonique du temps de la République. On va jeter un œil. Utilisez un fumigène et on arrive tout de suite. Bronco. Oh, excusez-moi. Ça doit être ça. T'as trouvé quelque chose? Faut utiliser un fumigène. Un fumigène? C'est quoi? Hein? Tu connais pas les fumigènes? On se demande vraiment ce qu'ils apprennent aux jeunes filles à Midgar. Heureusement que je suis là, hein. Laissez-moi faire. Il en met du temps. Attendez, j'ai une idée. Oh, machine volante! Je t'invoque tout de suite! Wow, les pales étaient dangereusement proches. Et le meilleur. Vous êtes des nouveaux, vous? Nous allons à Cosmo Canyon. Il cause, lui? Comment c'est possible un truc pareil?
Ouais. Bah, j'en ai vu d'autres à force de courir le ciel. Un, deux, trois... J'ai pas assez de place. Mais bon, ça veut pas dire que vous pouvez pas monter. Va juste falloir payer une petite prime de risque. Il se trouve que j'ai un peu de temps, là. En attendant que vous me filiez le fric, je reste dans le coin. Allez, tiens. Merci, mon brave. Placez-vous bien, comme je vais vous le dire. Faudrait surtout pas que l'appareil soit déséquilibré. Accrochez-vous bien là derrière. Si vous tombez, j'irai pas vous ramasser. Alors, je trouve la musique un chouïa trop forte par rapport aux voix. Je dois avouer que je n'aurais jamais pensé voir quelqu'un se porter volontaire pour mes expériences. Laisse-moi te dire que tu es un excellent soldat, mon cher. Attention, tu ne dois pas bouger. Si ça ne marche pas, il ne faudra pas me blâmer. J'en suis bien conscient. Puisque tu te montres coopératif, je vais prendre grand soin de toi, mon garçon. Et grâce à mon traitement, tu deviendras un vrai héros. Autrefois, cette procédure prenait des années. Mais aujourd'hui, ça va bien plus vite. Je n'ai besoin que de 18 petites heures. Et bien entendu, tout ça, c'est uniquement grâce à mon incroyable génie. Car ce sont toutes ces longues années passées à expérimenter de mes propres mains qui ont tant fait avancer la science. Mais une procédure plus rapide peut avoir des inconvénients. Et le spécimen original est devenu très précieux de nos jours. C'est trop bien. Et de la planète obtenue. Voilà, on est arrivé.
C'est ici que nos chemins se séparent. Je peux pas m'approcher plus que ça. Alors le reste, vous le ferez à pied. Comment on fait la prochaine fois qu'on a besoin de toi? Lancez un fumigène. Si j'ai la place d'atterrir, je viendrai vous chercher. Allez, bonne chance et à bientôt. Je vais vous conduire à la vallée. Alors, voilà avec les Tiny Bronco. Vous pouvez désormais utiliser le fleuron de Bronco Airlines, le Tiny Bronco. Examinez les cabines téléphoniques, les aérodromes et lancez des fumigènes pour faire venir l'avion. Il vous suffit ensuite de payer le montant indiqué pour vous rendre à l'aérodrome d'une région que vous avez déjà visité. Bon, alors, qu'est-ce que je pense de la première apparition de Sid? C'est pas sa meilleure version. C'est pas sa meilleure version. Parce que je le trouve... Il fait un peu plus jeune que dans mes souvenirs. Même dans Advent Children, je trouve... Je sais pas. Sa meilleure version restera quand même celle de Kingdom Hearts, pour moi. Voilà. Pas mauvais, pas parfait non plus, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ben nous voilà Cosmo Canyon et ça annonce bien sûr de l'annexe. encore. Et donc du coup là... Ouais, on est là, ok, d'accord. Donc comme vous pouvez le voir, hein. Il restera 2-3 trucs que je pouvais pas faire tant que je n'avais pas avancé dans l'histoire. Donc, ouais, j'ai maxé tout ce qui était annexe. Voilà, voilà. Bon, allez. On est parti. Cette musique, j'aime trop l'univers de Final Fantasy 7. C'est Red, t'es dans le chemin. J'ai un peu amélioré Iris aussi. Je lui ai mis des sacrés sorts et maintenant elle déboîte quoi. Allez, les cuits. C'est cuit. Tiens, tiens. Sanguine. Ah, oh, il a stoppé mon attaque. Hein. Mais le jeu est ultra gourmand, hein. C'est clair. Hein. Et il y a de l'annexe qui sont vraiment intéressantes, des trucs de l'annexe qui sont vraiment cool. D'autres sont complètement éclatés. Oh. Ah, il y en a, ils sont chiants. Dont la quête avec les poules, là, c'était une... Chocobo, y en a un qui s'est échappé d'ici?
Tiens, tiens, de la visite. Je m'appelle Camaria. Je vous souhaite bienvenue dans mon humble ranch. Et donc, c'est un chocobo, Shani? Pas du tout. Shani, c'est le nom de ma fille. Récemment, elle est tombée de sa monture alors qu'elle participait à une course de chocobo. Depuis ce jour-là, elle est démoralisée. Elle refuse catégoriquement de s'entraîner. Je vois. Oh, vous savez monter à dos de chocobo, vous? On va dire qu'on se débrouille. Vraiment? Dans ce cas, n'hésitez pas à utiliser notre terrain d'entraînement. On vient tout juste de le faire construire. Oh, ça me crève le cœur de le voir toujours vide. Qu'en dites-vous? Ça vous intéresse? Ça me ferait très plaisir de savoir que quelqu'un en profite. Ouais. Vous avez déjà fait un parcours de cerceau? Il s'agit de sauter au travers à d'autres chocobos. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres ranchs où on propose cet entraînement. Waouh! Mais ça a l'air vraiment génial! Tu veux essayer toi aussi, non? En plus, on pourra s'en vanter auprès des autres! Pourquoi pas? Mais d'abord, il va falloir que tu attrapes Yuffie. Le chocobo céleste. Essaye avec la petite Aponie qui devrait être dans le coin. T'as qu'à la monter pour te rendre au terrain d'entraînement. Elle te mènera à destination à travers collines et vallées. Tu peux lui faire confiance. La capture d'Aponie. Ok, bon, on commence avec du... ok. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un Giga Chad qui est ici. On va essayer de se manier le cul. Je vais vraiment me focus que sur l'histoire, hein, bien sûr. Hein. On va pas s'écarter. Oh, ces missions-là. Regarde! C'est Aponie, j'en suis sûre. Tu dis ça parce qu'elle est bleue, hein. C'est quoi le projet là? Tu veux pas me faire voir? Bon, tu vas te retourner, ouais? Allez, retourne-toi. Merci. Ah mais non, c'est encore pire en fait, parce que là tu vas me voir en fait. Ah bah oui, ah bah oui. Ouais, quoi? Quoi? Allez, tourne-toi, merci. Je vous jure. Et voir un chariot bouger tout seul, ça te perturbe pas, mon grand? Non? Bah ouais, bah ouais, bah ouais.
au fond du fun, les gars. Bon, lui va se retourner. Coucou Fantomette, comment tu vas? Coucou Alba. Oh bah là tu risques pas de te faire spoiler grand chose. À part me voir pousser un chariot et éviter des chocobos, c'est pas énorme. Mais je sais pas où tu en es, Fantomette. On est vraiment au fond du fun, les gars. C'est Metal Gear Solid. Reste là-haut. Reste contre le mur. Admire le mur. Admire le beau mur derrière. T'as bon, gaga? Ah ben, attends-toi du lourd. Ah, du très 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 lourd. Je suis encore choqué. Oh non! Oh non! Poulade! Culé. J'ai été trop, trop gourmand. Ah! Bon, on va lui jeter un caillou pour qu'il reste tranquille, d'accord? Hop, on va faire ça là. Regarde. On va lui jeter un petit caillou. Ni vu ni connu. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Hop là. Il me manquerait plus que le chapeau de cow-boy, là. Allez, a pony in the pocket. Enchanté, a pony. Merci pour les GG. Y a rien d'exceptionnel, les gars. Y a vraiment rien d'exceptionnel. Ouh, par contre, on peut voler avec eux, c'est trop cool. Jouissant du courage et de l'audace des créatures qui sont nées et ont grandi dans le canyon. Dans le canyon.
dans le canyon, les chocobos célestes sont capables de voler d'une vallée à une autre. Les rampes pour chocobos reconnaissables à leur symbole les aident à s'élancer dans les airs. Pour ensuite rester en altitude grâce à... grâce au générateur de courant d'air. Ok. Cool. Cool, cool, cool. T'es pas malade à d'autres chocobos ? Non ! Jamais, bizarrement. C'est un peu comme si tu faisais qu'une avec le chocobo. C'est cool, non ? Je vois. Je me demande bien quelle est la différence entre les dangereux. Il m'a interrompu. Un mélange kiki. Un mélange kiki. Ok, d'accord. Bon. On va les annihiler. Ah, ils nous font... ils disparaissent, tels des caméléons. Dégage. Je voulais faire quoi, moi? Ah oui. Attends, ça lui a rien fait. Immunité, comment ça? Ah ouais. D'accord. Putain... Genre ils sont immunisés. J'aurais peut-être dû regarder leur... Bon, je crois qu'il a pas aimé le... Merci la Fantomette. Et j'ai hâte d'arriver à la fin pour qu'on discute de, tous ensemble là, de la fin parce que... J'entends plein de sons de cloche là et ça me perturbe. Je vais où là? Bon, j'ai l'air d'être bon. Je suis allé un peu loin. Apony, tu m'as encore suivi jusqu'ici, hein. Ah, laisse-moi deviner. C'est toi, Shani. On a parlé avec ta mère. Elle était déçue que personne n'utilise son terrain d'entraînement. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu d'exercice à Apony. Oh, la pauvre. On t'emprunte Apony. Dans ce cas-là, c'est réglé. La première à faire un tour sur son dos, ça sera donc moi. Et attends, on est sur de l'annexe ou on est sur... Désolé. On va enchaîner directement sur la quête principale, les gars. Je vais pas perdre mon temps sur de l'annexe. Je suis désolé. Mais c'est mieux ainsi. Sinon, on va perdre beaucoup trop de temps. Et c'est pas le but. Et comment moi je vais là, moi, en fait? Ah, mais on n'a pas le choix, en fait. Ok, on n'a pas le choix, en fait, d'utiliser le... Autant pour moi. Yuffi, tu gênes. Ah, je plonge. Oups.
Le crash. C'était le meilleur score que vous verrez jamais sur YouTube ou sur Twitch. Voilà. Ah non. Attendez, j'ai loupé quoi, moi? Pourquoi j'ai merdé? Attendez, je veux un tuto. Ok, d'accord. Tu planes juste, d'accord. Faut monter le joystick en haut. Et j'ai loupé tous les... Ah ouais, mais je veux pas le joystick, moi. Bon, pour ma défense, le gyroscope était activé, hein. Voilà. Non, pas piqué. Tiens, il est nouveau activé. On est déjà mieux. Ah merde. Pro, vite fait, hein. Remarque. Alors. Bah non, c'était pas obligé de le faire ce truc. Crotte. Peut-être que si, je sais pas en fait. Bon. Non, j'ai pas besoin de lui parler à elle. Mais maintenant, nous, il faut qu'on s'envole. Bah, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On peut pas? Faut que je me rende ici. Il y a quoi? Il faut lancer un machin ou... Attends, pourquoi tu montes dessus?
Oh, il y a des fois des trucs... Ok, faut que je fasse tout le tour. D'accord. Allez, c'est parti. Ça va, comment tu vas? J'en peux plus de Poufy. Tu parles de Yuffie? T'en es obligé de faire ce truc là? Vous renseignez-vous? Hein? Apony et moi, on est ensemble depuis notre plus jeune âge. Elle me connaît parfaitement et a l'habitude que je la monte. On n'avait jamais eu d'accident. En fait, j'ai eu un accident lors de ma dernière course. Je suis tombée d'Apony et quand je me suis retrouvée au sol, j'ai vu toutes ces pattes qui fonçaient sur moi à toute allure. Rien que d'y repenser, j'en ai des sueurs froides. Laisse-moi tranquille. Ah, vraiment? Dans ce cas, c'est moi qui vais continuer à monter à Pony. Oh là là, Yuffie. Allez, on est reparti. Mais je sais pas, apparemment, t'as besoin de faire l'annexe pour activer le... Yeah. Oh putain, oh putain. Bon bah, on est mauvais là. On est très très mauvais. Allez, touche, 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 touche. Ah, le pire, c'est que tu peux pas. Et il t'active la fonction de détection de mouvement direct. C'est un peu nul. Il faut faire 3600. Oh, bordel, hein. On est vraiment au fond du fun là. C'est parti. Faites comme si vous aviez rien vu. Oh putain. Ah bah écoute, ça va, ça va. Comment je fais les... Faites comme si vous aviez rien vu. C'est parti. Mmh.
suis obligé de faire ce truc pour continuer l'histoire. J'y crois pas. Ouais, mais ça fait toujours que 2800 là. Est-ce que quelqu'un sait si on est obligé de le faire ça ou pas? Oui, je peux complètement skipper ce truc là parce que c'est un peu nul. Ça, c'est le genre de truc que je pourrais faire vraiment hors live. Parce que j'ai vu par exemple le jeu de combat là dans... Que je faillais comme un gros nul. T'es obligé de le faire pour un trophée, hein. C'est de l'annexe, hein. Allez, hop, dégage. Dégage. Tu n'arrives même pas à terminer ce simple exercice. Perte de temps, on est déjà à 41 minutes de record. Je vais pas abandonner si facilement, je te le dis. Ouais, on s'en fout, Luffy, on s'en fout. En fait, je voudrais revenir sur un truc. Vous disiez que vous deviez vous battre contre Sephiroth, n'est-ce pas? Si ce que vous dites est vrai, que ce héros n'est pas mort il y a 5 ans, alors qu'est-ce qu'il fait maintenant au juste? Il cherche à sauver la planète. Hein? Ben alors c'est plutôt un type bien, non? Il est prêt à sacrifier l'humanité pour y arriver. Et on ne pourra pas le raisonner. Oh là là! C'est une méthode pour le moins extrême! Ok, allez. On avance. Du coup, ouais, je suis désolé, on a perdu du temps là-dessus, mais je me suis dit, ouais, il faut d'abord contrôler Apony pour pouvoir continuer la quête principale, qu'il fallait s'envoler pour... Et en fait, non, je me suis gouré. On est à 43 minutes, je vais arrêter le record ici. Bon, ce sera l'épisode d'introduction à Cosmo Canyon, et on a quasiment rien fait. Une heure d'épisode, et on a quasiment rien fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Et voilà Cosmo Canyon, la terre qui m'a vu grandir, un bijou de la nature. Le sanctuaire de la planétologie, je l'entends appeler mon nom. J'ai hâte d'y être. Trop cool, trop cool. On va voir Begin Again. Je vais mettre une pause ici. On va mettre une pause ici. On va stopper la VOD. On est à une heure et comme ça on démarre un nouvel épisode. Pas qu'il y a une longue cinématique et tout. Ouais, bah merci YouTube pour avoir suivi la vidéo, la VOD. Et je vous dis à la prochaine. A plus.